Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir encore une fois dans votre émission qui remonte le temps, séquence d'archives. Ce soir n'est pas coutume, nous sommes dans les studios des Eucalyptus de la télévision algérienne. Et ce soir, nous allons rendre hommage à un comédien qui a marqué les annales du petit et grand écran. Il sera ici, en chair et en os. Il continue de le faire. Il continue à graver les échelons du succès. Je vous demande d'accueillir avec nous le grand comédien Fouzi Saïchi. Bonsoir Fouzi. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très touchée. Écoute Fouzi, je suis ravie de t'accueillir ce soir à mes côtés dans cette émission. Tu as toujours participé à rendre hommage à d'autres comédiens, réalisateurs et cinéastes dans cette émission. Ce soir, je te compte parmi mes amis, c'est pour ça que je te tutoie. Tu m'as demandé de te tutoyer et je le fais. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie de ta gentillesse et de ta bonté et de ton travail sérieux. Voilà ce que j'apprécie beaucoup plus. Enfin, j'apprécie tout, mais surtout ton sérieux. Parce que c'est un travail. Ce travail-là, le tien et tout le travail dans l'audiovisuel, s'il n'y a pas que le c'est un travail de recherche et c'est grâce à vous aujourd'hui. C'est sérieux, très sérieux. Merci beaucoup, merci beaucoup, Fouzi Saïchi. Et là, j'ai un peu la chair de poule parce que nous sommes dans un lieu mythique. Que tu connais aussi. Les Eucalyptus, j'ai beaucoup travaillé. Mmh. Si je travaille avec Hajra, il y a avec Badi Sahraoui, avec beaucoup. Babour Dzaïr avec Mirza. La télévision est ta maison, tu es un enfant de la télévision. Oui, oui. Alors, moi ce que je te propose, Fouzi, c'est de remonter un peu le temps. Voilà, de revenir à ta naissance, à ton enfance. Tu vas nous parler de cette partie-là qu'on ne connaît pas, que les téléspectateurs ne connaissent pas. Alors, on va commencer au tout début. Fouzi Saïchi, Boutril, est né le 5 avril 1951. Le 9 avril 1951, à Ain Safra, dans la wilaya de Naama. Tu as 3 sœurs et 2 frères. Tout à fait. Voilà. Ton papa était magistrat. Oui. Tu as grandi à Ain Safra. Jusqu'à l'âge de 7 ans. D'accord, raconte-nous un peu plus sur cette période de ta vie. Je suis né à Ain Safra parce que mon père était magistrat à l'époque. Il était d'abord magistrat à Skikda. Mm-hmm. Et comme il y avait ce qu'on appelait les mutations d'astreinte, il a été muté à Saïda d'abord. Et après, il s'est retrouvé à Ain Safra. C'est comme un peu les magistrats à l'époque, même actuellement, et les enseignants. C'est un peu comme les diplomates. Donc ils ont des enfants. Fouzi, s'il te plaît, ton micro. Oui. Voilà. Il y a des enfants qui trouvent nés à Rélizène, après à Tbessa, et après à Tamanrasset. Alors ton père est tombé au champ d'honneur. Maître Shahid Lairahmo en 1958. Oui, tout ta à fait. Ta maman est originaire de Borj Bouarérige. Oui, la famille Aktouche qu'on salue. La famille Aktouche. Voilà. Et une grande famille à Borj-Bouarérige. Un grand hommage. Ma mère, quand nous. Moi, je me rappelle, je suis né dans une famille, comme elle a dit, une famille aisée. Mm-hmm. J'étais aisé, mon père gagnait très très bien sa vie à Ain Safra. Il travaillait, il avait son cabinet, il était très très bien. Véhicule, tout, tout. Et puis, à partir de 58, ça change. Arrêté, torturé, mort. Voilà, chez. Donc la France avait tout saisi à ma mère. Tout, meubles, maisons, elle avait laissé 2 voitures, tout compte en banque. Elle s'est retrouvée du jour au lendemain. Et donc là, à ce moment-là, elle prend une décision. C'était la seule décision, revenir chez ses parents à Borj-Bouarérige, en 58. Donc on est revenu, donc on est parti, moi je ne connaissais pas, du sud-ouest jusqu'à Borj-Bouarérige, il y a comme 1200 kilomètres, Et est-ce que tu as des souvenirs de ton père? Un peu, vaguement, oui. Ouais. Nous sortions en voiture, ils nous gâtaient, on partait pique-niquer, on vivait très bien, on avait du cheptel, on avait des chevaux, on était très très bien. Ouais. Très belle et famille. Et puis c'était l'appel du 1er novembre. Alors vous êtes tous instruits au niveau de la Pardon? Famille. Vous êtes tous instruits. Oui, il était essentiel d'avoir une scolarité. Moi, j'étais à l'école d'initiation avant l'école élémentaire à Ain Safra.
Jusqu'en 58, j'ai terminé à Bourges. Mes études poussées et tout, supérieures si l'on veut dire, secondaires, c'était à l'école des cadets de la Révolution. Effectivement, tu sautes un peu les étapes. Alors en 62, c'est l'indépendance. Voilà. À partir de là, tu pars à Alger, vous partez à Alger, tous ensemble, en famille. Mmh. On part à Alger. Alors pourquoi vous partez à Alger? Parce que les veuves de Shahid, à l'indépendance, ils avaient beaucoup de droits. Et donc, on a donné un logement à ma mère. Donc, on vous octroie un logement. Voilà. Ils lui ont dit de choisir. Alger, c'était grand, c'était immense. On lui a donné des appartements pas loin du boulevard des Martyrs. Mm-hmm. Elle a refusé parce que c'était la pré-banlieue à l'époque. Un bus tous les 3 heures. Donc, ce qui fait que, pour elle, non. Elle a choisi là où il y a l'hôpital et le marché. D'accord. Mais son lit. Par nécessité. Pour ses enfants. La nécessité, puis elle a bien aimé le petit appartement qu'on lui a octroyé. Et on y est jusqu'à maintenant. Alors, en mars 63, oui. Tu intègres l'école des cadets de la Révolution. Un passage très, très important pour ta scolarité. Ouais. Raconte-moi un peu énorme. Ce passage à énorme. L'école des cadets. Moi, d'abord, ma mère m'avait mis, à cause des études, à la maison des enfants de Chouhada. Nous étions à Bellefontaine, Tijlabine. Mmh. Actuellement. Je reste 6 mois comme ça. Puis on a passé un petit concours là-bas, parce que l'école des cadets a demandé, parce que nous étions à 90% des enfants fils de Shahid. Mmh. Ah oui, c'était le critère obligatoire. Obligatoire, si l'on veut. Et donc, Comment ça s'est passé? Je suis passé et je suis parti par car, je me rappelle, par camionnette. De Tijlabine à Kolia directement. Et c'est là, premier jour, je me rappelle, nous sommes arrivés un après-midi. Là, je vois la photo. Oh là là. Les souvenirs. Tu étais beau. Celui de derrière, je crois qu'il s'appelle Qadawi. Tu étais beau. Qadawi qui est actuellement, je crois, général, major. Je crois. Hein. Donc là, c'est là, il faut préciser. Donc par rapport à moi, tu es à droite. Voilà. Oui, oui. Le blanc-blanc. Le blanc-blanc. Ouais. Alors raconte-moi un peu cette partie-là, les cadets de la Révolution, séparation avec la famille, avec ta maman. Oui. Ma maman, parce que c'était une école où ils disaient à ma mère, et c'est vrai, qui allait former des officiers supérieurs, qui a formé jusqu'à présent des officiers supérieurs, l'élite de l'armée algérienne. Mmh. Et je suis fier d'eux actuellement. Bon, il y en a qui ont pris la retraite, il y en a qui sont encore... mais qui ont tous fini officier supérieur, ceux qui ont terminé. Celui qui était avec moi, où on s'entendait très très bien, c'était Général Bumil, mm-hmm. actuellement, et qui a fini Général-Major. D'accord, mais pas toi. Hein? Mais pas toi, t'as moi, pris un autre si chemin. Moi, si j'étais parti avec eux, ils ne voulaient pas me lâcher. D'accord. Ils ne voulaient pas, parce que c'était nous qui ont donné le C'est la première école des cadets. L'oreiller à Houari Boumedine Lairahmou pour inaugurer l'école en mars 63. Et on était comme des frères, donc inséparables. Dis-moi. Alors, oui, je serai sûrement le même grade que Benjamil parce qu'on était dans la même classe, on a fait le secondaire ensemble. Mm-hmm. Et bon, moi j'ai choisi de quitter l'armée. Voilà, j'étais un coup de tête. C'était un coup de tête. Mais ils ne voulaient pas me lâcher. Alors justement, un coup de tête qui te mène vers la comédie radiophonique. Oui, le médecin uh-huh. militaire à l'époque lui a raconté le commandant d'école. Il leur a dit non, nous on ne lâche pas Fauzi, c'est le pilier de l'école, c'est un des piliers. Ils voulaient me muter dans un truc d'astreinte, c'est-à-dire moins d'efforts. D'accord. Ils avaient de mon physique, c'est-à-dire dans d'autres services. Et j'ai quand même passé jusqu'en 1970. T'es resté 7 ans quand même là-bas. Quand même, oui. Un des premiers. Un des premiers. Après, bon, parmi les premiers. Les écoles. Les cadets de la Révolution.
واسقى واكا واخا قل الظاء والذاء قلت له الظاء ذاء قال لي عندك لفظ يا اخي لازم تجي تعمل معايا تعمل معايا كلك بياس ما تخافش مي اون نو بيي بار بار بوكل على ليبوك سيتي با سيتي او كونترا سيتي Mais c'est de là que tu as décidé. Et j'ai fait avec lui deux ou trois pièces de croix radiophoniques avec Chelou Chitou, arabe, en arabe littéraire, où il m'a vraiment formé. Après, je suis parti un peu avec la troupe populaire, Wunish, Mouhbeb Lou, etc. C'était Mohamed Neha, l'Ayrahmou, qui me donnait des cours de diction. Oui. Après, bon, radio, j'en ai fait pas comme ça. D'accord, mais, après, mais c'est grâce à eux que tu t'es retrouvé dans ce domaine-là. Oui, grâce à eux que, à l'époque, pour rentrer au boulevard, pour rentrer, c'était pas facile. Pas de laisser passer, pire que le laisser passer. Tu as montré pas de blanche. C'était plus. C'était vraiment, il fallait que le truc, s'il ne le laissait passer. Il n'y avait pas Radio Wahda, il y avait la RTA. Mais avec la venue de M. Larouaté, ça s'est assoupli un peu. Parce que quand même, Larouaté a donné, il est venu la RMO, il a donné un nouveau souffle à la RTA. Et c'était pas mal. C'est là où je mangeais presque tous les jours à la cantine. On avait la cantine au 9e étage. Ouais. Avant, en bas. Ouais. On était tous dans le grand immeuble. D'accord. Et quand on n'était pas dans le grand, on restait dans le hall. Là-bas, on a connu toute une pléiade. Sidi Ali Mgillati, Allah yarhamou, il était là-bas. J'étais avec moi, et Rachid Fers, Allah yarhamou. Allah yarhamou. Tous les Abdelkader Tajer. Aussi. On était là-bas. On était, si tu veux, spectacle. C'est de, puisque tu as des invités, accepte d'inviter à nous rejoindre de suite et continuer à parler de parcours et de vie. On y va. Donc j'invite à me rejoindre Monsieur Mohamed Ourdache parmi nous, comédien et ami de Fouzi Saïchi. Ah oui, malheur, il y a quelqu'un qui applaudit chez moi. On va l'applaudir. Bonsoir. Mohamed, merci d'avoir accepté mon invitation. Monsieur Mohamed Tahar Harhoula, producteur et ancien directeur de la production à la télévision algérienne, un enfant de la télévision. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté invitation. Et bien sûr, pour terminer, monsieur Rabah Le Chéa, notre grand comédien. J'ai tenu à l'inviter parce que vous êtes adorable, très galant. Oh là là. Monsieur Léger, j'ai merci tenu à beaucoup. L'inviter parce que j'apprécie beaucoup. Donc voilà Fouzi, tu es entouré de tes amis. Oui. Voilà, c'est toi qui les as choisis, tu m'as dit ce sont mes amis à la vie comme à la scène. Oui. Donc on va essayer de revenir un peu sur ton parcours tous ensemble. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Qui veut prendre la parole, qui veut commencer? Allez Ourdache. Moi je commence par notre ami Ourdash, où j'ai énormément travaillé avec lui. Je l'ai connu exactement en 1981, lors d'un... Il raconte lui-même. Merci pour l'invite. Oui, Fouzi, je le connais depuis 1982. On a fait pratiquement 20 films, cinéma et télé. Donc, je vais parler des dernières productions. Donc, avant ça. Tu me parles des dernières productions, moi je te parle des débuts. Ah, les débuts, on va aller au début. Ouais, le début, c'était... On travaillait dans Une femme pour mon fils. Une femme pour cinéma, mon fils. Film cinéma. Voilà. Et notre ami Tahar Harhoula était directeur de production. Directeur de production, ouais, en même temps. C'était... Alors, directeur de production, comment c'est par les... Bon, on va d'abord... Hein? Ah, oui. Alors, Leïla et les autres... Oui, Leïla et les... Donc, indépendamment à ça, Mektoub Mektoub Jbesh... نخدم بزاف مع رابح ما خدمناش درنا فيلم واحد مون برومي فيلم جو كرو 76 وي لافي لو برومي رول لوي وي مي شو بارتي اك سيدي علي مازي فوتي انا بور شوازير لي زاكتور كوم سا اون بارتي اي بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était lui, il avait flashé sur lui. Et je lui ai dit, c'est une... Et là, j'ai eu mon petit rôle où... Au Rabah le Shia, le Shia avait un premier rôle. Voilà, un premier rôle. Moi, ce que je vous propose, avant de continuer à discuter, à parler de ton parcours, c'est de voir le VTR et de voir des images. Tout de suite, on y va. وتانيين ما يكونوش عندك املاك شحال تربح في شهر 1000 استنى شي هذا ما يهمش قل لي شحال تقدر توفر في شهر 200 دينار 200 دينار كل شهر راه كل شهر صح هذاك نشوفو Donc voilà les premières séquences. Ah oui, oui. La séquence d'archives, ton hommage ce soir. On vient avec ta première apparition dans Leïla et les autres. Avec Monsieur Le Shia, oui. Comme premier rôle. Tes souvenirs hommage. Aujourd'hui. Je voudrais surtout rendre hommage, parce que je viens de voir des séquences d'un temps une famille, rendre hommage à Sidi Ali Halo, le fils de l'Hajj Mohamed Al-Anqa. C'était lui qui était directeur photo du film. Ah, il a pris le film à bras le corps. Et Allah yarhamou, parce que c'était vraiment une grosse perte. Il était un ami à nous, c'est-à-dire en dehors du cinéma. Voilà. Donc, tu as bien fait de parler de lui, Allah yarhamou. Alors, et parlez-moi un peu de Leïla et les autres. Leïla et les autres. La figuration, ta première figuration. Comment ça s'est passé ? Qui t'a proposé ? Comment ça s'est passé alors ? Non, comme j'habitais pas loin du fameux 13, c'était à l'époque le centre névralgique du cinéma, Alger, le grand Alger. Et tout se passait là-bas parce que c'était la production et en même temps c'était technique, le montage. J'étais tout le temps là-bas. C'est là-bas où. Sidi Ali Mazif, qu'on salue. Oui. Je l'ai rencontré des fois à Alger, il se porte très bien, alhamdoulilah. Et donc, voilà, Galim, je peux te proposer un petit rôle de dragueur, parce que tu es à l'époque, cheveux longs, on était la trop James Brown, trop.
C'était Alger des années 70. Oui. Alors dis-moi, tu voulais parler de Rachid Mazouza. Ah, Rachid, oui, Rachid. Ben, dans l'histoire, mon histoire, moi, personnelle, oui. Ma venue dans le cinéma, c'est Rachid Mazouza. Qui est chef Rachid monteur. Mazouza, oui. J'ai commencé par le montage. Je l'ai connu au 13, en 70, comme ça, avec Sid Ali Hallo, justement. Il était tout le temps avec. Ils étaient très amis. Et donc, c'est une très grande, voilà, Rachid, ouais. Très, très, très grosse perte, ça, c'est terrible. Il est mort jeune. Il est mort lors de l'accident du tournage du film La Montagne de Baïa, c'est ça, je crois. Oui, pendant le tournage, il y a eu une explosion, une erreur d'aiguillage de la dynamite. Voilà. Et il se trouvait là parmi 10 ou... Il y a plusieurs mois. Voilà. Les micros, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Mazouza a compté pour toi. Beaucoup, pour énormément. C'était mon meilleur ami. Et puis, il avait un humour. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a de l'humour comme lui. Ils peuvent témoigner, mes amis, parce qu'ils l'ont tous connu. Et il a un humour. Il parlait comme un pied noir d'Alger, parce que c'est un vrai Algérois. Tahar, il peut parler mieux de lui que moi. Et donc il est né à Tilimli, c'est ça Tahar ? Au Tilimli. Oui. Et donc il a vécu avec les pieds noirs. Pataouet. Voilà. Et donc il avait un humour algérois, mais un peu hispanique, français. Spécifique. Assez un humour. Il devait faire l'acteur, hein, acteur, mais après. On était à l'époque. Moi, dès que je le vois, bon, je suis devant le mur, devant un café. Puis il vient, il me regarde en haut. Il m'a dit : qu'est-ce que tu fous ici ? Et j'ai dit : j'attends. Tu veux bien payer un pot, tu veux. Tu as les pépites ? Non. Alors on va te faire foutre. D'accord. Mais alors... il était d'un cœur blanc. Et un jour, j'ai caché l'argent dans mes chaussettes. Comme ça, pour les gens dans le café, ils vont pas. Chaque fois, je sortais un petit billet, le truc. Puis je sors des toilettes et puis le truc s'est coincé. C'était le. Il y avait du son. La grâce. Je me souviens de son. Je dis non, je ne sais pas. Il m'a dit ça, c'est la graffeuse du banquier, il sort les pépites. Sors non, les mais sous. Ça, c'est rien. Mais, t'as plein d'anecdotes à nous raconter. Tahar l'a très, très bien connu aussi. Il a beaucoup travaillé avec lui, il l'a côtoyé. Des anecdotes comme ça en tête, hein, mais c'est vrai que je l'ai très bien connu. Surtout à la faveur des travaux qu'on faisait, des travaux de finition qu'on faisait en Italie. Oui. Donc je le voyais souvent. D'accord. La toute dernière, moi j'étais à Madagascar, je revenais, je ramenais de la pellicule. Et voilà que lui, il faisait le montage du film de Rajdi. Et Rajdi, il me dit « Ahbib Kawahna ». Je dis « Qui fait ?»« Moi, je ne savais pas. » Et Rajdi, c'est la cellule de montage en Italie. Et là, alors, c'est parti pour... En Italie, alors là. Mais... Alors, on s'étale, monsieur, excusez-moi, il faut qu'on avance dans le temps, tenu, oui. Je tenais à lui rendre, parce qu'on n'a jamais rendu hommage. C'était un de nos colosses du cinéma algérien. C'était un et excellent chef. Très tôt. D'abord, les films de Hilmi Mohamed, qu'on salue, c'est lui, chef monteur. Oui. C'est lui qui travaillait avec Mohamed Les vacances de l'inspecteur Tahar. Aussi. Il était monteur, pas chef monteur. Chef monteur, c'était Ben Allah Rachid. D'accord. Qu'on salue. Justement, on continue avec Rachid. Je voudrais rendre hommage aussi au réalisateur, qu'on en parle peu de lui. Et j'espère, Inch'Allah, Rabbi, il est sahtou, Inch'Allah. C'est Rabah Laraji. Rabah Laraji, justement, tu me tends la perche. On va aller vers Un toit, une famille, parce qu'on a vu quelques extraits de ce film-là où tu as été primé. Alors, comment s'est déroulée cette aventure ? Tu as le premier rôle ? Cette aventure que j'ai connue toujours au 13. Tu as le rôle de Selim ? Un monsieur Rachid Ben Allal. Oui. Il m'a dit, je vais écrire un scénario sur mesure, des histoires de logement, de mariage et tout, mais à travers toi comme fil conducteur, comme canevas, comme on dit. Bah, j'ai dit, il écrivait, il me soumettait. C'est un film de la Bahlaraji. Oui. Et puis il a donné à la commission de lecture qu'il a accepté à l'unanimité. Et par la suite, c'était un monsieur qu'on rend hommage, qui est décédé malheureusement, qui c'était notre directeur des productions à l'UMSIC, Aït Sissé Elmi, qui a aimé le projet, qui a quand même appuyé le projet. Mm-hmm. Et ça a été fait pas facilement, très difficilement, mais... C'était compliqué, c'était en 1982, voilà, donc tu donnes la réplique 81, tournage. 81, compte tournage. Il est sorti en 82.
Alors avec Qazdarli, Mustapha Hallo, Amina Medjoubi aussi. Oui, oui, toute une pléiade, oui. Ah, il y avait Madame Wahaba Zekal. Zekal aussi. Qu'on salue, notre mère, qui a joué ma mère, qui je trouve adorable. C'était un plaisir de tourner avec elle. Et elle te met à l'aise. Et pourtant, Wahaba, Rabbi Yadkour Fi Amraha, Tawla Amraha, c'est là, là. Elle a du bagage derrière elle, mais à... Avec toi, elle avait une méthode où elle te mettait à l'aise, où le texte venait tout seul. Moi, avec la tortue, par exemple, c'est grâce à elle. Elle m'assistait, m'a dit « Oublie tout le monde, tu fais le vide de toi. » Elle t'a beaucoup aidé. Elle m'a énormément, je la remercie beaucoup. C'est vraiment la maman. Hein. La maman. Ah oui. Voilà. Ah, oui, oui, oui. Hommage. Hommage à Wahaba Zekal ce soir aussi. Cas. Alors, on continue encore une fois avec une femme pour mon fils, Hamdour Dash. Fouzi Saïchi. Oui, c'est là où j'ai connu. Voilà Fouzi, la rencontre. Et bien sûr Tahar Harhoura, qui était directeur de production sur, sur le film. Oui. Alors parlez-moi de cette rencontre. Alors vous êtes amis depuis des années. 82. Le Shea sur Leïla et les autres. Donc quand même, une amitié qui remonte à très très loin. Parlez-moi de ce film. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé? Moi j'étais jeune à l'époque, donc on va dire j'avais 17 ans et demi. Et donc je voulais faire du cinéma et c'était pas évident à l'époque, hein, parce que c'est pas évident, il y avait une discrimination quelque part, hein, parce que après, bon, même au niveau de la télé, hein, c'est pas évident, déjà la télé c'était pas évident d'accès, l'accès c'était pas facile. Et après j'ai lu, il y avait une annonce dans le Moudjahed à l'époque qu'il cherchait des acteurs, et après j'arrive, c'était 13 Edgar Quinet, voilà, à proximité du cinéma l'Afrique. Et j'ai trouvé une queue énorme. C'était les élèves de Léna Dessé. Voilà. Léna Dessé, oui. Après, le réalisateur, je sais pas, il m'a fait sortir pour faire le test. Et puis, voilà, il m'a pris depuis... Non, mais tu m'as raconté une autre anecdote tout à l'heure, mais bon... Là, il maille, je reconnais. Ouais, ça, alors, racontez-nous la bonne anecdote de Tahar. Tahar, Ali Ghalib, le réalisateur, et Wardesh. Wardesh, il était venu, il a fait la chaîne comme tout le monde. Hein. Oui. Mais ceux qui m'ont eu, c'est Tahar. Parce que j'étais régisseur général du film. Parce que Fouzi, il était régisseur. Justement, Harfoula est là pour nous parler de ce côté-là. Ouais. C'est-à-dire que là, il a beaucoup aidé Fouzi Saïchi. Hein. C'était simple. Fouzi, quand il était distribué, bon, il travaillait, il était comédien. Mais il arrivait des moments où il avait des creux, du vide. Et moi, j'avais besoin. Ce qui est toujours le cas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà, oui. Exactement. Et alors, bon, un beau jour, j'ai dit, écoute, tu fous rien, tu n'as pas de proposition là. Alors, est-ce que ça t'intéresse de faire un boulot avec moi à la régie? Et ok, et c'est parti comme ça. Oui. Voilà. Oui, donc il a été régisseur. Une dizaine de longs métrages. Régisseur, et tout en étant comédien dans le film de Ali Ghanem, il était régisseur. J'ai fait deux. Mais est-ce qu'il faisait bien le métier de régisseur? Oui, moi ça m'arrangeait parce que c'était une sorte de tête chercheuse, voilà. Et les administrations et les correspondances. Donc dès que je l'envoyais, on obtenait tout. Ah, finalement. Il y a autre chose qui vous a. Mais moi j'avais Pardon. Mais Tahar, excuse-moi une seconde. C'est son émission, c'est son hommage, j'en suis fermé. Avec Tahar, j'ai fait une dizaine de longs métrages avec lui, où j'en faisais deux films où j'étais acteur et régisseur général en même temps. Une fois pour mon fils. Une fois pour mon fils et film de Chouir, La Citadelle. Ah oui, La Citadelle, si je peux me permettre, sur La Citadelle. C'est un truc important. À toi la parole. Parce qu'il a caché un truc, il a parlé, qu'il a fait une carrière militaire, acteur, etc. Il a fait une petite carrière politique. Ok, pas, lui, d'accord. Ouais. Par contre, ça, il m'en c'est a pas parlé. C'est une anecdote. Il fallait oser. Un jour, moi, je débarque, on arrive au centre-ville, j'étais avec Rachid Fares, qu'on lui rend hommage aussi aujourd'hui. Et puis, on m'a dit que Rachid Fouzi est devenu fou. Pourquoi il fait un meeting au cinéma d'Afrique? Il est candidat aux législatives. Oui. Sérieusement? Oui, on débarque là-bas. Non, c'est sérieux. Il fallait être courageux. Hein. D'accord. Il est candidat, non, on n'a rien compris. Il est sur scène. Après, il commençait à parler avec la langue de bois. Il est rentré dans le bain en 3 jours dans ce milieu bizarroïde. Bref, je vais abréger. Non, le parti politique, il défendait. Et après, on lui a donné de l'argent, je ne sais pas. Tu dis quoi? C'était la JL, un petit parti. D'accord. On lui a donné un peu d'argent. Et donc, après le meeting,
il m'a invité avec Rachid. Il m'a invité dans un restaurant chic à Alger. On dîne là-bas. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, voilà, écoutez, vous êtes des amis. Il parlait sérieusement. Il faut voter pour moi. Non, il n'a pas dit ça. Vous êtes mes amis. Donc là, je vous invite dans ce grand restaurant. Donc, dans les jours qui viennent, je vais être un homme politique. Je ne peux plus vous voir. Oula. Donc, je vais vous donner un rendez-vous une fois par mois à l'arrière-boutique du Saint-Georges. Qu'est-ce qui se passait, vous, voilà. Vous aviez honte d'eux? Non, vous n'aviez plus le temps. C'était, wallah, l'azim, je crois que c'était un peu la jeunesse. Et puis, bon, c'était un peu... L'ambition? Il est devenu fou. La naïveté. La naïveté, d'accord, la naïveté. Alors aujourd'hui, on passe, bien sûr, on reste dans le monde du cinéma. Monsieur Harhoura est là pour témoigner. Le Cheya, qu'avez-vous à nous dire, à nous raconter, monsieur Le Cheya, concernant votre amitié avec Fouzi Saïchi? فوزي عرفتو كان يخدم في القطار الاولى اللي شفتو في زون كولتوريل وي جيت انيماتور لا با وي توت افي il était animateur oui et là bon je faisais des cours d'anglais oui oui pas les cours d'anglais non labo langue avec Iftissane. Voilà, il donnait des cinéma, etc. Oui. C'est là où je l'ai connu. Oui. Oh, t'as dit que je l'ai connu pendant le film les autres, voilà. Et on se voyait rarement, et puis il venait me voir, on se rencontrait un peu par-ci, par-là, pour un café. Alors tu m'as dit, il a beaucoup de classe, j'adore ce monsieur. Ah oui, depuis... Il est impressionnant. Les années 70, là où je l'ai connu, d'abord il n'était pas loin de chez moi, du côté du Sacré-Cœur, donc je le voyais souvent, toujours top. Mais moi, tiré à quatre épingles, toujours avec... Merci. Au printemps. Mm-hmm. Parce qu'au printemps, il mettait des sortes de costumes en lin. Bon, à l'époque, on n'avait pas les moyens d'en acheter. Je le voyais. Je dis, bah, tu as acheté où ça? En Italie. Ah, merci. Il voyageait beaucoup. Non. Rabassi, monsieur Chapeau, monsieur Claire Gebel, oui. C'est lui ici. Mais qu'il y a un autre à Alger, à la place d'Alger, qui a le même look que lui. Dommage, tu n'as pas travaillé avec nous, tu as dans un bon feuilleton. Hein. Ouais. Dommage. C'était, ouais. J'allais travailler. Et en plus, tu étais distribué et on t'a sauté. Oui, c'est vrai. Il était avec nous dans le Lauda. Ah, on venait au Lauda. À le retour, oui, d'accord. Ok, Lauda, monsieur Harhoura. Donc voilà, on règle les comptes entre nous. Mais messieurs, excusez-moi, là, on doit avancer dans l'émission. Vous m'avez tendu la perche avec Claire Gable. On va aller voir des extraits tout de suite. D'autres extraits de Mahmoud Zamouri, de Barthi. Ah, Mahmoud. Et Hajj Rahim. On y va, on regarde. Mahmoud. اسمعني طيب ما تعرفش مكان وين ما تخافش راني هنا واو تما فاولا محافل يا دابا على مولي قلي بسلته يا حمار فاولا موليدي كيف ما فيك والو هكذا قلي بسلته وها خدمنا طوموبيل والله ما راك سالك à débarrasser le pays des voleurs et toi tu me demandes 50 dinars pour ça ou un ouais je te ramène cache ma goutte aïe attends bien ah ouais ça va ça n'a la prochaine fois ne comptez plus sur moi hein. Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. جيت من بلاد بعيدة ومتمني ومتفائل وطلبي الشريف ادخل في الموضوع ادخل في الموضوع ادخل مولاي السلطان مولاي السلطان نعم طالب منكم الحسب والنسب وباغي نخطب يد الأميرة شمس النهار وراك عارف واش راهي يستنى فيك نعم يا مولاي السلطان نعم
راك واثق بنفسك لهذا الحد؟ واثق بنفسي لهذا الحد وزير؟ أمرك الآن راهي بين يدي الأميرة، روح اتفضل. شكرا، راهي تحت أمرها. امشي امشي تفضل. بسم الله. السلام على مولاتي أميرة الأميرات. وعليك السلام. جيتك بالحسب والنسب باش ندير يدك في يدي. لما الشرف في السؤال. Voilà, on a pu apprécier quelques extraits, bien sûr, des défunts Zemmoury, Barthi, Hajj Rahim, à qui on rend hommage ce soir, grâce à toi, Fouzi Saïchi. Merci, oui, Mahmoud. C'est... Je l'ai connu période où à la Cinémathèque. Il est venu voir film Un temps, une famille. Ça lui a plu. Et puis, il y a un jour, on travaille ensemble. Et regardez, c'est pas où j'ai eu un des premiers rôles avec Malik Rahamina. Dans les folles années du twist, où Tahara était directeur de production, je le laisse s'exprimer sur cette aventure. Dire, directeur de production. Voilà. Donc, il y avait mais justement. Il y avait une pléiade d'acteurs, dans ce, vraiment. Hein, les folles années du twist. Que ce soit algérien ou français, comme ça se passait pendant l'histoire se déroulait pendant Richard Bourringer, voilà, c'est voilà, ça. Voilà, Richard Bourringer, Jacques Viret. Jacques Viret, oui. La... Ali Abdoun, Sissani. Oui, oui, oui. Oui Esri oui. Nepti aussi. C'est ça, Nawel Zaatar, je crois. Hassan Hassan. Jamal Allem, Kiltoum. Voilà, oui. La majorité sont décédés. Ah là, les folles années du twist sorties en 86. C'est moi qui devais jouer avec lui. Alors, pour l'anecdote, monsieur oui. Le Cher. Alors, à chaque fois, on coupe Halhoua Lamskine. Non, mais il n'y a aucun problème. Il prend la parole. Après avoir terminé le film Prends 10 000 balles, casse-toi. Et casse-toi, oui. Il m'a proposé le rôle Les années de twist. D'accord. De Boualem. Qui a été interprété par Malik Lardalhamina. Et puis ça a changé, point d'interrogation. D'accord, là c'est pour l'anecdote. Donc voilà normalement voilà, c'est toi qui devais être à côté de Fouzi Saïchi dans le film Les folles années du tout. Alors, non, monsieur Halhoua. Cette anecdote, je la connais pas. Mais je sais que Mahmoud s'était arrangé avec Lardalhamina de façon, parce que Mahmoud a sa boîte de production. Et donc, c'était une coproduction entre la boîte de Mahmoud, Boufarik, je ne sais pas comment. BFK et l'ONCIC. Voilà. Donc, à partir de là, ça a commencé, puis c'est parti. Alors, racontez-moi un peu, comment Fouzi s'agit sur une production en général? Non, Fouzi, c'est-à-dire que. Il est assidu, il est comment? Il est. Oui. Enfin, il est assidu, c'est vrai. Mm-hmm. Mais il y a des moments où il débloque. C'est-à-dire, il est incontrôlable par rapport à quoi? Oui, il y a des moments où il est incontrôlable. Ah oui. Mais sinon, dans l'ensemble. C'est ça les artistes. Oui, mais c'était l'artiste. On ne peut pas être les deux à l'œuvre. Mais lui, il s'arrangeait. C'est-à-dire, il faisait bien son travail de régie. Et puis, il faisait son travail de comédien aussi. Mais dans l'ensemble, il arrivait à s'en sortir. C'était bien. Et moi, je trouvais. Parce que, comme je vous l'ai dit, je l'envoyais comme ça, comme une tête chercheuse. C'est-à-dire, dès qu'on voulait obtenir un endroit, un lieu, ou contact des gens et tout ça, c'était Fouzi qu'il fallait le... Il fallait envoyer. Et voilà. Et il gérait très très bien. Oui, ça marchait. D'accord. De Hollywood à Tamaras. Hollywood à Tamaras. Rambo. Rambo, moi j'ai rigolé. Je dis, écoute, Mahmoud... Non, mais je dis, mais t'es un peu là, Mahmoud. Non, mais écoute, un bon rôle pour toi. Tu vas voir, les gens vont aimer. Comment ils te blousaient. Et puis bon, pour les cacher, là, il n'y a pas de problème. C'est un monsieur qui. Et puis, il y avait World Cash Mahana. Parce qu'il a oublié, on était derrière la caméra et devant. Donc, Zemmoury nous a loué, là, Mahmoud, il nous a loué une voiture. Et c'était pas évident parce qu'il y avait le 5 octobre qui a commencé à l'époque, si tu d'accord, te rappelles. D'accord, les événements. Donc voilà, donc on était c'était devant compliqué. Et derrière. C'était compliqué. Et puis il y avait Mustapha Lahanka qui venait avec nous dans la voiture. Et puis Fouzi, Lahanka, c'était pas Mustapha, l'acteur. Voilà, ouais. Et Ourdia. Donc il faut arriver à Boufarik d'Alger. Un joli casting aussi. Ouais. Là j'ai vu aussi le clandestin. J'ai refusé le rôle de Barthi. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Je ne suis pas figurant. Comme j'ai fait des longs métrages, quand même. Un peu et pourtant, c'est un rôle déterminant, quand même, le croque-mort. Je t'assure que ça va marquer. Ça va faire le buzz.
au moment du tournage, les boîtes un peu, enfin j'ai joué deux prises. C'était Beni Mombras et Lairahmo, c'était... Eh ben, à la sortie du film, je suis venu moi l'embrasser, goutte-le, merci. Les chefs, trotlek. Si tu avais dit un mot, le personnage était terminé. Il n'y a pas que les dialogues. Quelquefois, les dialogues tuent. C'est la mimique. C'est... Mimique, le regard. Oui. J'ai appris ça de Barthi. Barthi n'aime pas beaucoup les dialogues. Barthi, il aime les regards. Lointain, il aime. Pas comme Hadj Rahim que j'adore. C'était un de mes... L'examen. Alors, on a vu un petit extrait. L'examen. Avec Nawel Zaatal, ouais, qui devait être parmi nous ce soir et qui n'a pas pu. Il avait une technique dans le travail. Moi, j'ai travaillé avec lui. En même temps, je l'ai connu très bien dans la vie. Je l'aimais beaucoup, là, vraiment. Mm-hmm. Par exemple, s'il prend deux acteurs, il y a une séquence, il m'appelle, il me dit, voilà, Mohamed, tu vas dire ça, ça. Il me dit, écoute, celui qui joue avec toi, il est nul, là. Il est nul, là, c'est nul. Et après, il va prendre l'autre acteur, il va lui dire la même chose. D'accord. Donc, c'est sa manière de diriger les gens. Hadj Wahdou. Technique et tactique. Voilà, il est comme ça. Le Hadj, c'est monsieur anti-texte. Oui. Il te donne des textes, c'est quoi le dialogue? Bah alors, c'est pareil, Barthi et Hadj Rahim étaient sur la même longueur d'onde. Mais oui, il rajoute. Quand je te dis couper, c'était quand je jouais avec lui, le portrait, je joue le rôle d'un coiffeur de quartier. Le portrait. Comment il m'a avec Serat Boumdine ou Gendouz Omar, comment il m'a métamorphosé. C'était... Alors là, l'examen, c'était au départ en arabe littéraire. Oui. Mais c'est lui qui a tout chamboulé. Il n'y a que moi qui ne parlais pas en arabe littéraire. D'abord, il y a un comédien. Tu as joué dans l'examen. Voilà, dans l'examen. Il y a un comédien un peu, je m'excuse, je ne sais pas, un comédien un peu bizarroïde. Oui. Moi, je ne me laisse pas faire. C'est pour cela que je me suis tout... Et donc, il s'est mêlé, soi-disant, lui, il a fait l'adaptation de Toufiq Hakim et tout ça. Et après, le Hadj Rahim, sans citer son nom, et le Hadj Rahim, il l'a envoyé balader. D'accord. Parce que tout le monde parlait l'arabe littéraire, sauf moi. C'est le Hadj qui m'a demandé de parler normal. Et lui, il n'a pas aimé. Le Hadj, il l'a envoyé balader. Là, donc... Et puis, mon dernier film avec lui, j'en ai fait comme 3 longs métrages, déjà pas mal avec le Hadj. Et 3, oui. Et quelques sketchs pour Ramadan, il y a longtemps. On l'a fait à Borj Barerij. D'accord. Le film. Il s'appelle Khali. Khali. Avec Hadj Lakhdar. Oui, oui. Et là, il était déjà un peu essoufflé, mais. Khali ou Télégraphe, c'est ça? Voilà. Voilà. Il s'est donné. À fond. Vraiment, oui. Mais c'est un monsieur. Moi, je pense qu'il n'y aura pas d'autres réalisateurs comme Hadj Rahim, comme Zemmouri. Oui. Barthi, j'ai travaillé aussi avec lui. Hein. C'est un truc qui n'a jamais été diffusé, oui. Censuré à la télé, je ne sais pas quoi. C'était des observateurs de la société et en plus, ils étaient artistes en dehors du cinéma. C'était des humanistes, c'était des gens généreux. Et simples en même temps. C'était un cordon bleu, Barthi. Barthi, c'est un artiste, c'est Bernard Loiseau. Hein. Jamais j'ai goûté. Une langouste, comme lui, il a préparé de la chez lui à la maison, il avait une maison au bord de la mer, à Bainem. On partait chez lui de temps en temps, il nous invitait. Il nous a fait. On dormait chez lui. Alors, Fouzi, c'est chez lui. Feu de bois. Feu de bois, délicieux. Feu de bois, il n'y a ni four ni ouelou. Je ne sais pas comment il l'a fait, comment il l'a assaisonné. C'était un délice. Et un jour, il nous a fait un mérou, et il y avait un commandant de bord. Voilà, c'est des anecdotes qu'il raconte concernant Barthi. Il arrête pas de rendre hommage aux autres. Voilà, c'est Fouzi, il s'agit, c'est tout lui. Et il se perd. Parce que j'étais proche d'eux, c'était mon lycée. Ça te touche, ça te touche. En tout cas, tu as beaucoup travaillé avec beaucoup de réalisateurs algériens ici et de l'autre côté de la Méditerranée. Malzak Alouache aussi. Malzak Alouache, bien sûr. Voilà, bien sûr. Beaucoup, énormément. Alors, je vais passer sans transition à une toute autre partie. Je sais que tu aimes le Shaabi. Donc, j'ai une petite surprise pour toi avec une chanson de Boujamal Anqis. On regarde et on revient. Qui était un ami. Et on écoute surtout.
Al Anqis, Fouzi Saïchi. Oui, Allah yarhamou, je l'ai connu, j'étais très jeune. Je l'ai rencontré à Kahout Lemsani de temps en temps. Il ne venait pas souvent. Mais je l'ai vu, je le voyais souvent au Théâtre. Il venait voir les pièces de théâtre, il aimait beaucoup le théâtre. Et il m'aimait beaucoup, il m'encourageait. Alors je t'avais posé la question, je t'avais dit quel genre de musique tu écoutes. Tu m'as dit j'écoute du shabi, du shir melhoun et du jazz. Tu dis si t'avais, s'il fallait choisir et décider d'écouter une chanson, tu m'as dit c'est l'Anqis, sans hésiter. Sans hésiter parce que j'aime beaucoup ce monsieur, ses chansons à texte, même les chansons net n'taou. Il a beaucoup travaillé avec Mahboubati. Et je l'ai rencontré aussi dans mon quartier. Il est venu au studio de Mahboubati. Qui était c'est ton ami aussi. Bah, c'est moi et mon ami. Mm-hmm. Mon ami, ah oui. Alors messieurs, est-ce que vous écoutez du shabi? Ah oui, personnellement. Vous êtes tous algérois? Oui, oui, oui. Oui, personnellement, oui, j'adore. Bien sûr, il y a l'Anqa, le cardinal. Voilà. Ça, c'est incontestable. D'accord. Il y a, bon, Gerwabe, évidemment. Aussi. Et, il y a plein d'autres Kobbe aussi, oui. Ouais, c'est des copains aussi. Amar Lachab, tous, vraiment, c'est... Amar Lachab, Allah yadhkrou bil khair. Moi, je suis fan de Lachab, par exemple. Amar Lachab, vraiment, c'était quand même un maestro. Non, il est toujours maestro, il est toujours vivant, il est à Paris, quand la classe... Vraiment super. Donc la jeunesse d'aujourd'hui, tout le monde l'a chef school, mais à la poche. Il est complètement oublié. Effectivement. Ok, bon, le Hadj Lanka, c'est tout algérois. Le maître incontesté. Le Hadj Lanka, il dit moi, on dit un tel qu'un chanteur que j'admire beaucoup, Hadj Mrezak. Hadj Mrezak aussi. Oui, oui. Le Hadj Mrezak, qui est chez moi, Iberberk. Alors, Allah yarhamou. Oui, c'est ça. Le Hadj Oui, parce qu'il a travaillé avec nous, Ma'attahar, c'est Cheikh Djilali Aïn Tadlis. Ah oui. Qui venait nous chanter c'est au plateau. Dans la citadelle de Mohamed. Alors on revient, le repère Tahar, monsieur Tahar Harhoura, excusez-moi, là je te coupe, excuse-moi plutôt, je te coupe. C'est que tu as travaillé à la télévision, donc au niveau de la production, on a de tout. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que c'est notre repère ce soir et à chaque fois on se retourne vers lui pour essayer de comprendre. Alors. Quoi ? Continuez. Non, parce que quand il a dit Cheikh Djilali Aïn Tadlis, j'ai tout de suite fait le lien parce qu'on a connu Cheikh Djilali dans le cadre du tournage de Mohamed Chouir, la citadelle. En même fait temps. Du côté de Rolizen. Premier rôle masculin. Et il fallait l'acteur. Le personnage était important. Donc Chouir était à la recherche de son acteur. Il a fait des tentatives avec Aloul, Allah yarhamou, ça n'a pas marché. Je ne sais plus avec qui encore. Et puis voilà qu'il a eu l'idée de Cheikh Djilali Aïn Tadlis. Il m'a dit, voilà, c'est un type majestueux, Belgnour Ta'o, des Klipsa, qui conduit sa 504 et tout, et c'est lui que... Donc on a été le voir, Allah yarhamou. Là, tu m'as entraîné, on est surtout à Cheikh Hamada, j'adore. Ouais, exactement. Une anecdote pour le Chabé, à une époque, avec Fouzé, donc on était trois Alger, moi et Rachid, Allah yarhamou, Fouzé. Rachid Fares, il n'aimait pas Chabé, lui. Il était branché, Jacques Brel, Brassens. Chanson à texte. Et donc, à une époque, quand on n'avait pas d'argent, à l'époque, dans Alger, à la place Hoche, on savait où est-ce qu'il y a Al Chabé, Zamagrouabé, Amarzahé. Et moi et Fouzé, on montait là-bas pour le Chabé. Et quand on avait de l'argent, on allait au jazz. C'était les débuts de Riyad Fadl. Ouais, donc, ouais, le club jazz. Ouais. Donc, ce qui fait le Chabé... Le triangle. Donc, je pense le Chabé, le jazz, moi, j'adore beaucoup le Chabé et le jazz, je pense lui aussi, parce qu'on a fait toutes les grandes boîtes de jazz, même à Paris. Ouais, à Paris. Ouais. C'est-à-dire... Vous êtes installé aujourd'hui à Paris, il faut le préciser. Ouais, on est là-bas, ici. Vous êtes entre les deux rives. Voilà. Et à Paris, on voit beaucoup au Chabé. Parce qu'il y a des gens, par exemple, peut-être Tahar ou Rabah. Est-ce que c'est par nostalgie aussi ? Non, c'est-à-dire le Chabé, il a disparu d'Alger, mais à Paris, il y a du Chabé. Par exemple, il a parlé de Grouabi. Grouabi, on a vécu avec lui jusqu'à sa mort. Yahya Bouchala, notre ami, le chef d'orchestre du Chabé. Et le Kobbi. Donc, ils viennent souvent chanter là-bas. Chao. Voilà. Chose qu'on ne trouve pas aujourd'hui à Alger. Si, si. Dans les lieux. Il y a une relève terrible. Ouais, je vois dans Facebook les jeunes. Extraordinaires. Magnifique. Vraiment. Que ce soit au niveau de l'instrumentalisation, l'instrument, le jeu de l'instrument, ou de la voix, ou le stikhbarat et le qsaïd et tout. Mais vraiment, il y a une relève terrible. Là, j'ai vu une anecdote. Je suis désolé de vous. Je suis désolée de te couper, Fouzi Saïchi. On va passer à toute autre chose. On va passer cette fois-ci à la partie télévisuelle.
Rabsa Chemar, les aventures de Rabimès. J'ai vu une séquence, oui. Ça m'a échappé parce qu'il me laissait travailler, il me laissait jouer. C'est Rahim Laloui qu'on salue, qui est réalisateur maintenant. Oui, Laloui. C'était dans Une femme pour mon fils. Oui. Il n'a pas dit un mot. Il m'écoutait, il me dit oui, oui, oui. Il me laissait. C'est cette générosité qui est devenue rare de nos jours. Et on a fait son dernier film, Mémoire de scène. Voilà. Mémoire de scène de l'acteur là, Rahim Laloui. Aussi. Voilà. Alors, on passe tout de suite aux aventures de Rabimès, Rabsa Chemar, oui. La télévision algérienne. À la télé maintenant. On la regarde télé. Les extraits. شوفوا عندكم الزهر انا بقولكم ما تعلموش والله العظيم عندكم الزهر نكسر الحجر على بالكم باللي هذه العروسه الخامسه اللي خدمت اليوم كيفاش كيفاش نعم 105 عرايس على بالك انا بالكوموند واش من كوموند هذا كوموند على العرايس ورمي مز مازال كميه حنا تاني كريناها كيفاش هذا كريناها ورمي مز عندك نروح انا في باساد ولا في الارويد انا تاني نروح كيما نتاجي في مرسيدس معلوم واش نقول لكم حاجه هذا الكوستيم راكم تشوفوا فيه مخيط سور ميزير ومكري بصح هو تاني يجيب حقه كيما الطوموبيل راه يدخلوا الفايده نعم خاطش حنا الشركه نتاعنا منظمه وعلى بالك الطوموبيل ملي جابها اخويا دخلت الفايده وراس المال وزاد الفايده من فوق انا حبيت شبيك الاربعه الحنه والخميس العراس الليل تليفوني وفي النهار تليفوني خاطش حنايا الشركه ديالنا غرون موند اسمع اسمع سي محمد راكم غالطين فيا في زوج ما تعرفونيش انا ما نعرفكمش كيفاش انا ما تعرفني ما نعرفك ما سمعي العجوز وقيلا ويق الجمله ويقصر عاود عاود العجوز اسمحي لي حاب اقول العروس قولها وزيد عاودها ما تاخدش عليه ارمي من الزيب بفين ايه صح هاي معلش كل شيء مرات نزعفوا بزاف الحياة مليحة تضحك للدنيا تضحك لك لازم كل جزائري باش يمشي العمل تاعو يرب الضحكة والبشاشة يحكم الطرولي بكل رياقة يضحك يروح العمل تاعو مبسوط فرحان لو كان ما نحبوش بعض وما نقدروش بعض مش كل اللي يحبنا السلام عليكم عطيني فضلك شعلو ما كنتو فين انا هضرت على الكلام بسم الله الرحمن الرحيم ها مع عباد كيما هادو هادو هما لو كان ماشي رمضان سي محمد العقل يا اخي حمار يا اخي سي لا تخاي براتك روح بعيد واش راك تشوف فين نهضر سير شنو لا با وكان رمضان اوف يا اخي فاتشا يا اخي لو كان عندي وجه كيما تايا لو كان نكتب روحي ها مع عباد كيما هادو ها اللي راحت فيها البلاد بسم الله الرحمن الرحيم اذهب من قالس لطيف Rabsa Chemar, des souvenirs, beaucoup de souvenirs en ce qui me concerne en tous les cas et pour les téléspectateurs, je pense, ce soir. Alors, on va commencer d'abord par les aventures de Rumi Mez, Fouzi Saïchi, avec Wardia, la Yerhamha. Oui, c'était Bendedouche qui m'a fait appel, il écrivait, il m'a dit voilà. Et c'est lui qui a trouvé le nom Rumi-Mez. Il m'a dit c'est quoi ? Il m'a dit c'est le petit symbole. Et qui t'a collé à la peau pendant des années, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais on doit tout à Ordia. Oui.
C'est elle, c'était elle qui... C'était un monstre. Chef elle. D'orchestre. Oui. Un monstre. Oui, bien sûr. Et qui sont rares dans le cinéma mondial. Hein. Des acteurs et actrices comme ça, spontanés, qui ont... C'est pas la peine de lui donner le dialogue. خلاص فهمتك على بيت قوم باش نمشي ندير باش نقطف بعد الدار مع مول باش نقطف خلاص je dis une chose parce qu'il y a comédien et il y a acteur exactement tout le monde peut être acteur mais comédien non comédien non et il y a vraiment elle avait quelque chose de c'est ma حاجه معطيه de stand-up oui C'est un don qu'elle avait. Dommage, c'est pas une femme qui partie très jeune. Hein. De la formation ou bien d'une pratique théâtrale. Ou... C'est une autodidacte, ça, elle a appris sur le tas. C'est spontané. Si tu permets, parfois les acteurs, ils sont mieux que les comédiens. Je peux te citer des noms mondiaux. Oui, hein. oui. Lee Marvin, Alain Delon, oui. etc. etc. Oui, hein. Et oui, parfois, oui. un acteur, il sort d'une école comédien, il est ringard. Oui, bien sûr. Voilà, oui, donc, oui. Tout est dans le personnage. En exactement. Fait. Donc, Moi, l'expérience que j'ai eue avec elle, c'était dans Hassan Taxi, Marouichi. Oui. Dans Hassan Taxi, elle a fait un personnage terrible. Oui. Voilà. Magnifique. Ouais. Et il m'a fait confiance, je ne m'attendais pas à un tel succès. Un succès fulgurant. Les aventures de Mimes. Ah, on remercie notre ami, frère Jamel Bendedouche. Et justement, grand. C'est grâce à aujourd'hui aux aventures de Mimes que les téléspectateurs vous connaissent. Vous dire la vérité. Ouais. Sur le petit écran. Oui, oui. Effectivement. Ils connaissent pas. Effectivement. Armémas. Voilà, Armémas. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on t'appelle comme ça dans la rue. Oui, oui. Ça c'est te dérange cadeau de Wardia. Est-ce que ça moi, te dérange Moi, ça ne me dérange pas parce que bon, je garde un bon souvenir. C'est sympathique en production. Ah, si, si. Au début, ça le dérangeait. C'est pas vrai. J'étais présent avec lui. Ah. Il devenait agressif et ça allait très mal. Oui, effectivement. Ce n'est que maintenant, il commence à s'habituer. Maintenant, Armémas, il fait partie de ta vie aussi. Grâce à notre ami Bendedouche. Voilà. Qui comme Rachid Fares, là, Rahmou. Je m'appelle Rachid Fares. Je m'appelle Fouji Saïchi. Voilà. T'as Sermé Mas. Oui, mais. Sermé Mas. Ah oui. Non, non, c'est Fouji Saïchi. Oui, pour nous, Fouji. Et à l'Ouest, il appelle Armé Mas. Et à l'Ouest, j'ai travaillé aussi avec lui. Alors, Kapsa Chema, devant et derrière aussi. La caméra. Kapsa Chema, on remercie surtout. Slim Abdou Bill, qui nous a donné. L'ancien directeur général de la télévision algérienne. Oui. Et Slim, dessinateur, qui était co-scénariste aussi. Alors, l'émission Kapsa Chema est une émission satirique, bien sûr. Voilà, où on revient sur les faits de la société algérienne. Oui. Avec beaucoup d'humour. Énormément. Alors, énormément. On a vu, avec toi, à t'écouter, par exemple, par rapport à la chanson Trabendo, Trabendo. Oui. Tu te souviens des gens qui sont à côté de toi? Oui, je me souviens, il y avait même Plantu avec nous, dessinateur. Ah oui, sur après, à la fin, à chaque fois, on voyait Plantu en train de dessiner. Oui, la caricature. On le faisait dans le petit studio 2. Parce qu'il est venu rendre visite à Slim, comme on était dans le studio numéro 1. Télé. Et donc, Plantu, il commençait à s'amuser avec Slim. Vous étiez nombreux, hein? Oui, et ils sont tous morts, là, Alhamdoulilah, presque. Hein. Wardia. Non, presque. Ouais, Wardia, presque. Wardia, ouais. Omar Tayan. Omar Tayan ou Ousmane Benchir. Ousmane Benchir. C'est la moitié de l'équipe. Hein. Ouais. La moitié après, on a Hanel Mezouqa, oui. On n'a pas de nouvelles. On a... Oui. Ouais. Aucune nouvelle. Professeur aussi. Beaucoup de talent. Il est mort, professeur. Donc, c'est la il y majorité. Il y avait Zirouni aussi qui travaillait avec vous, le journaliste Mourad. Il a fait... oui, bien oui, sûr, dans Kapsa Chema, oui. Oui, mais Mourad. Non, je vous dis, c'est la majorité. Non, elle parle de Mourad Zerouni. Non, je parle de Mourad Zerouni. Zerouni. Oui, bien sûr. Oui, il était avec nous, Mourad Zerouni. Oui, bien sûr. Quoi, il était avec oui, nous, il était tout jeune. Ouais. Linda aussi. Qu'on salue, Mourad. Linda Yasmine. Linda Yasmine, oui, je me rappelle. On salue Linda Yasmine. Alors, parlez-nous de cette aventure. Je veux avoir des anecdotes concernant notre grande Farida Sabouji. Aussi. Oui. Omar Tayen. Non, beaucoup en sont décidés. C'était, je ne sais pas comment c'était dire. C'était un défi. C'était un défi parce qu'il fallait travailler dans l'urgence. Parce que la conjoncture de l'époque. Et puis, on n'était pas vraiment apprécié à la télé par les journalistes de la télévision algérienne à l'époque. Il faut dire ce qui en est. Donc, c'était pas évident. On débarquait à la télévision algérienne avec un autre engage. Mais on avait un protecteur, Abdoubé. Parce que le DG, il a accepté, c'était Abdoubi, tout ça. C'est un nouveau regard, oui. C'est un nouveau regard parce que c'était l'Algérie, c'était une ouverture à l'époque. Et donc, il y avait Slim et Alouesh. Donc, moi, mon personnage, c'est Slim, qui a
Donc c'est Slim qui écrivait pour mon personnage Super Macho, qui existait dans sa bande dessinée. Et donc à l'ouest, il m'a dit que moi je te vois dans Super Macho. Et à la télé, il y en a des archives de moi. Hein. Super Macho. Oui, bien mais sûr. Mais c'était une bonne ambiance. À la BD, c'était une bonne ambiance. Là, c'est une sélection. À l'époque, c'était une bonne ambiance. Slim, il était... Une ambiance bon enfant. Oui. Ouais. Agréable de tourner avec lui. Il est vous avez beaucoup tourné avec Malzahar Alouache. Beaucoup. Il est très cool. Très, très cool. Très, très cool. Moi, ce que j'aime en Alouache, par exemple, j'ai fait beaucoup de films avec lui. Il est méticuleux, mais cool. Il fait pas le dictateur, c'est-à-dire par rapport au texte. Oui. Ça, je lui tire chapeau. Moi, j'ai fait 3 longs-métrages avec lui, Babord Zahir, Kapsa Shema, et on a fait ensemble un spot publicitaire pour une télévision étrangère, si tu te rappelles. Oui, oui. Voilà, oui. Tu te rappelles? Oui. Voilà. Et il avait un truc dans le travail, c'est-à-dire il donne la liberté. Si le texte ne lui plaît pas ce qu'on dit, il change. Mais tandis qu'il y a d'autres réalisateurs, il faut, par exemple... Respecter les dialogues. Oui, par exemple, j'ai fait un film avec Mohamed Hilmi, un film cinéma, mm-hmm. Le Wolf Saïm. Donc il refuse qu'on rajoute un mot. Une virgule. Voilà, il m'a dit, c'est mon texte, en tout cas on le salue de passage. Mais il y a d'autres réalisateurs qui sont cool, il y a d'autres qu'ils n'acceptent pas qu'on change leur texte. Donc Malzahar Alouache est souple. Sincèrement, moi, je parle de mon expérience. Il y a l'improvisation, c'est ça ? Non, ce n'est pas de l'improvisation. C'est-à-dire, moi, j'ai fait Babel City avec lui, à Tahar, il a dirigé le film. Aussi. Donc, il m'a fait confiance. Je place des mots, jamais il enlève, sauf si c'est trop, c'est normal, c'est lui qui est derrière la caméra. D'accord. Donc, il y a une liberté dans. C'est ce qu'il veut. C'est dans sa nature aussi. Hein. Parce que même en matière de production, moi, je n'avais pas de difficulté avec lui. D'accord. Pas comme certains réalisateurs. Je veux dire, s'il y avait un truc à faire, à réaliser, si on n'arrivait pas à obtenir l'endroit ou je ne sais plus quoi, tout de suite, il trouvait la solution. Il me dit non, ne te casse pas la tête, ça y est, je sais ce que je vais faire. Il essaie de régler le problème de suite. Oui, absolument. Alors que par contre, il y a certains réalisateurs, ils sont butés. Il te dit, moi, je veux ça, je m'en fous de la production, je m'en fous de la bureaucratie, je m'en fous de ça et ça. D'accord. Donc, Alois, c'est dans sa nature aussi. Même au niveau très conciliant, très... Il y a des réalisateurs, sincèrement, aujourd'hui, avec le temps et tout ça... Il y a des gens qui ne m'intéressent pas, moi. Mais aujourd'hui, ils m'ajoutent de l'argent, je ne travaille pas avec eux. On dirait que c'est la Bible. On dirait Rachid Fels. Non, mais c'est la vérité. Hein. Avec un recul, et en plus, Zemmouri, il est cool. Ah. Et en plus, j'ai eu de la chance de travailler avec Alouaz, Zemmouri avec d'autres. Donc, non seulement je travaille avec Zemmouri, ses films, mais pas sur des chaînes étrangères en France, même Alouaz aussi. L'autre, c'est des films qui vont au placard. Et puis, on n'a pas le droit de parler, il faut dire ça. Avec le temps, on se dit... C'est vrai. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. On va dire ça. C'est dommage, actuellement, il y a un vide. Oui, si tu le dis, ouais. C'est toi qui vois. Parce que c'est une question vois. D'homme hein, aussi. Une question d'homme. Malgré tout. Oui, c'est vrai, il nous laissait... Beaucoup c'est nous les comédiens, c'est nous qu'on a joué. Hein. Oui. D'accord. Il laisse la liberté aux comédiens. Enfin, ça dépend. Je pense que ça dépend d'un réalisateur à un autre. Oui, c'est ça. Oui. À chacun sa manière de travailler. Absolument. Voilà, tout simplement. Oui, oui. Alors, c'est l'hommage de Fouzi Saïchi. On continue avec tes extraits, avec tes séquences à toi. Oui. Série, TV, sitcom. Comme tu veux. On y va. Il y en a dans les archives. Il y en a. Il y en a. Mais là, on est en train de parler ensemble. Ça fait ensemble 45 de... ans maintenant, hein. Alors, ta filmographie, s'il fallait l'énumérer, t'en as combien ? Est-ce que t'as essayé ? La mèche femme. Moi aussi, j'ai essayé, j'ai pas pu. Hein. Beaucoup. T'as plus d'une quarantaine déjà de films. Plus. Ah, sans compter les sitcoms et les séries. Film oui, avec premier rôle principal. Non, avec rôle secondaire. Alors, on y va sans plus tarder. Ramallah. Sans avec plus Rachid tarder. Boucherab, oui. J'en ai fait 3 longs métrages. Avec Boucherab. Je salue, oui. Que tu salues et que nous saluons nous aussi. Alors, tout de suite, les extraits. Oui. On y va. On y va. نعم سيدي السلطان ويكود مساء النور سيدي السلطان سيدتي الأميرة رادي راك تخيلوا في بلايس قاعد زعما دار حاجة مليحة صدقني مرتك ضلت قلعت بصح الوزير هو اللي قال يقولوا أنا قلت لك أنت اللي قلته أنت اللي جبته من راسك هو سيدي السلطان هو شوف الوزير نعم هديه ياخذهم يتفلقا وهكذا انت فاكسيهم المرة تاعك يتفلقا واحد اخرى نوض قدامي تهضروا في الحمامات قدامي امشي سيدي السلطان سيدتي السلطانه
حط 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 تف روح روح يا السلطان روح يا السلطان روح واحد الكلب روح صاحبي خوك محترف من نوع الرافع بصح السيد راه من شكاية واش من شكاية ما كان حتى اثر ضارب القسم ما يخلي حتى حاجة وراه احنا ماذا بنا كونك مهني كونك مهني كمان Alors, Antaroul Tchedded, mais on ne va pas commencer par ça, on va commencer par le début. Oui. Les extraits qu'on vient de voir. C'était... Halouhouel. Ah, Halouhouel avec notre ami Badi Sahraoui, que je salue. Effectivement, Mohamed Sahraoui. J'espère qu'il va bien. Un bonhomme bourré de talent. Un bonhomme qui sait ce qu'il veut, sait ce qu'il fait. Et surtout, c'est un astre au niveau des castings. Alors dis-moi, concernant par exemple les séries et les sitcoms, oui. Comment se fait ton choix? Est-ce que c'est par rapport au réalisateur, au scénario, au rôle? Parce que dans ce métier, c'est rare de joindre l'utile à l'agréable, mais c'est surtout le réalisateur et les textes, si on peut travailler le texte. Là, on a travaillé le texte dans Antaroul Tchedded, c'était grâce au comédien qui habite Constantine, Théâtre de Constantine, Hamza. Qu'on salue, qui il a fait, parce que quand même il fait bien les mots arabes et tout, et qui a remanié le texte, mais c'est surtout le réalisateur. Hein. Moi, quand je travaille avec Nassim Boumaïza, c'est un jeune réalisateur, c'est vraiment l'avenir du cinéma algérien. Je crois en lui, c'est un jeune qui aime ce qu'il fait, qui s'investit à fond. Son dernier truc, je l'ai fait avec lui en Espagne, à Almeria. Mm-hmm. Là où a tourné Sergio Leone, un western. Bobalto, c'est ça? Bobalto, voilà. Il est passé à la télé. Et un jeune réalisateur qui est très, jeune, très prometteur. Voilà. Et avant, Badi travaillait avec lui, c'est vraiment joindre l'utile à l'agréable. Alors, comment il était avec toi aussi, pareil? Badi? Oui. Oh, il était adorable, c'est un monsieur. C'est un monsieur qui aimait la bonne table, très généreux, qui te mettait à l'aise. Il vient visiter la chambre d'hôtel. Non, mais devant la caméra, est-ce qu'il est strict? Comment est-il? Devant la caméra, il rigole, il est là, il me dit fais ça. Écoute, fais ça, si ça me plaît, je garde. D'accord. Et moi, je fais, ça lui plaît, il rigole tout le temps au plateau. Il est comme Mahmoud Zemmouri. Il rigole en même temps, tu joues, tu le vois rigoler. Et ça me gênait un peu. Ok, donc non, toi, ça te gênait, mais lui, ça l'intéressait. Lui, il se cachait pour rire. Donc j'ai dit... Dans mon cœur, j'ai dit, bon, c'est bon, on ne va pas refaire la deuxième prise, ouf. Alors, Shams al-Haqiqa, ce qu'il faut savoir, on a vu un petit extrait avec Ourdash à Técodé. Shams al-Haqiqa, production exécutive. Mohamed Tahar Harhoula, qui a un rôle à l'intérieur aussi. Oui. Oui. Le micro, s'il vous plaît. Oui, mais surtout pour m'amuser avec les copains, quoi. D'accord. Comme on était à Mostar, c'était une bonne ambiance. Donc, mais le public a adoré. Oui. Il est passé plus de 20 fois à la télé. Shams al-Haqiqa, qui est diffusé actuellement à la télévision algérienne. Ben pour l'anecdote, j'avais proposé la deuxième partie, plutôt la scénariste m'a écrit la deuxième partie, et elle est dans les tiroirs. Voilà. D'accord. J'aimerais bien proposer ça, c'est ça. Ouais, donc j'ai la deuxième partie, c'est-à-dire la suite de la première. Shams al-Haqiqa. C'est l'histoire d'un mère corrompue. Ça serait intéressant de... Je ne sais pas. Il faudrait que je m'adresse à la direction de la production, peut-être. Il faut aller voir. Ouais. On leur propose, on lance un appel ce soir. Par contre, moi, ce que j'ai à te proposer, Harhoula, c'est un petit extrait de toi dans ce film. Oh non. T'aimes pas te voir, mais non, c'est quand même une surprise. Alors, on a vu le Chia, on a vu Ourdash et Fouzi, bien sûr, tout au long de l'émission. C'est ton rôle, c'est ton moment à toi. Les archives ont une importance primordiale. C'est pour la génération future, c'est pour la mémoire collective.
Il faut prendre soin de nos archives. Faut effectivement. Soin de nos et archives. On essaye à travers cette émission. C'est hyper important. Alors, on regarde un petit extrait avec Harhoula tout de suite et on revient. Voilà, là. Votre rôle. ملازم أول الشرطة رؤوف والي تحولت عندكم جديد تفضل مرحبا بك معنا شكرا حضرات شوف أن نقرأ في السيرة الذاتية تاعك هي حسنة وإيجابية ومهنية واحترافية يعني عالية جدا مليح وخاصة في كيفية الإطاحة والتعامل مع المجرمين ولهذا السبب فكرت باش نكلفك مهمة فيما يخص القضايا الغامضة اللي في البلدية هذه منها هاو الملف الأول باش تطلع عليه مازال خذ راحتك عندك الوقت باش ما كاش مشكل حضرات وشوف حاجات يعني إضافية ولا بعض المعلومات اللي يكونوا عندك المكتب تاعي هو مفتوح وتفضل الله يعاونك Remercie Mustapha Hadjadj, faut pas l'oublier, le réalisateur. Effectivement, le réalisateur, c'est lui qui a réalisé Shams El Haqiqa alors, Tahar Harhoula. C'était pas mal quand même, en tant que comédien. J'ai du mal. Hadarat. Non, ce que je voulais dire, justement, Mustapha Hadjadj, le réalisateur, on l'a pris comme ça, un coup de chance. Hein, parce que